Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur Sons of the Forest pour voir retrouver l'imprimante 3D. Et pour ça, on va dézoomer la carte au maximum en cliquant sur la molette. Regardez au niveau de la zone enneigée, à la frontière entre la zone enneigée et la forêt, on voit l'icône du crash d'avion. Et le deuxième crash d'avion possible, c'est sur la plage tout en haut. Regardez, on voit un début de grotte au niveau de la plage, en haut de mon localisateur GPS. Eh bien, la grotte où on doit aller, elle est à ma position. D'accord? C'est deux grottes en dessous, le crash d'avion de la montagne. Je vous laisse vous repérer, faire pause pour vous repérer tout simplement. Et du coup, depuis cette grotte, on va se retourner. Et on va zoomer. Donc là, il y a un lac. On va suivre la rivière. Alors, en commentaire, n'hésitez pas à m'expliquer. Alors, vous voyez sur mon GPS, j'ai un cercle vert. Sur ma partie en mode normal, je n'ai pas ce cercle vert, je n'ai pas cette position. Et je sais pas pourquoi il me manque des infos sur mon tracker GPS. Sur ma partie en mode normal. Et ça me fait un peu chier parce que bah, je galère bien plus pour trouver les objets. Donc si vous savez m'expliquer comment je peux activer la localisation de ces points verts, ça m'aiderait beaucoup. Donc là, regardez, on a suivi la rivière. On l'a suivi, on l'a suivi, on l'a suivi. Et on va tomber sur ce camp. Là, il y a un camp. On va descendre doucement. On va éviter les dégâts de chute. Et maintenant, on va longer la falaise. On va aller à l'intersection des trois routes, là. En fait, on va au point vert. Mais sauf que... Voilà, là, on suit la route. Sauf que vu que sur ma partie en mode normal, je n'ai pas le point vert. Je vais partir sur le postulat que vous ne l'avez pas non plus. Donc on va suivre la route. Et regardez, on va aller tout en bas de la parabole de la rivière. D'accord? Là où il y a le point vert. Vous avez mon GPS, je vous laisse vous repérer. Et on va tomber sur un trou. Là, regardez, il y a un trou. Je pense que je vais crafter une petite cabane. N'hésitez pas à faire des cabanes hein, pour vous mettre un point d'intérêt sur la carte. Ça aide toujours. Et en plus, il faut toujours sauvegarder devant une grotte. C'est très important. On ne sait pas quel ennemi peut arriver. Si on meurt, il faut pouvoir reprendre devant la grotte. Et sauvegarder. Et du coup, l'imprimante 3D, elle est là-dedans. On va prendre la lance, mais en réalité... Je suis en mode pacifique, donc il n'y aura pas d'ennemis. Mais pour vous, je vous conseille de prendre la lance au cas où. Donc là, on appuie sur L pour activer le briquet. Et on va s'enfoncer. Regardez là, on peut voir qu'on a trouvé un bunker. Donc n'hésitez pas à tout fouiller. Là, il y a du Chatterton, Chatterton. Là, il y a des piles par terre à trouver. Ça, c'est cool. Là, il y a des fils et de la résine d'imprimante. Là, on peut dormir. On est à l'abri des indigènes en plus. On peut ramasser des flèches en boucle. Putain, on peut faire... Attends, mais quoi? Mais c'est trop fort. Mais en fait, il faut camper ici. C'est n'importe quoi. Livre univers parallèle collecté. Mais les gens, faites votre base ici en fait. C'est n'importe quoi. Genre vous êtes à l'abri des indigènes. Bon après, il n'y a pas à boire. Donc là. Hop. Ah, l'imprimante 3D est là. Alors regardez. Là, on appuie sur R. Et on peut crafter différents trucs. Traîneau, flèche, flacon, masque, crochet de grappin, filet tech. Et tout ça, ça demande du coup des résines d'imprimante. Du coup, il faut vous rendre ici à chaque fois pour aller fabriquer les trucs dans le bunker, d'accord? Et ça prend un certain temps. Là, ça prend 20 secondes, 15 secondes, 15 secondes, 15 secondes, 15 secondes et 10 secondes. Donc voilà. L'imprimante 3D est là, on peut pas la transporter malheureusement. Mais en vrai, franchement, panneau solaire,
ampoule, encore de la résine d'imprimante. Il y a pas mal de piles. Franchement, si je trouve à manger et à boire dans la base, sachant qu'à chaque reconnexion dans votre partie, il y a tout qui respawn. Fil. Montre. Montre et des billets. Voilà, et là, il faut une carte. Bon, c'est compliqué, il n'y a pas à boire et à manger. C'est peut-être la seule chose qui peut vous empêcher de camper ici. Mais voilà. Et bah écoutez, si la vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à soutenir la chaîne au travers du Tipeee, ça aiderait beaucoup à son développement. Et à la prochaine pour une future vidéo. Ciao!